En tout cas, je vous remercie beaucoup, là, cette foule de gens fidèles qui viennent le samedi après-midi pour écouter des professeurs d'histoire de la Sorbonne leur parler de sujets très sérieux. C'est évidemment un grand succès de Pessac et une grande satisfaction pour nous tous et une belle récompense. Alors, merci. Et nous allons donc, pendant... une heure au moins, et ensuite vous aurez droit à quelques questions, nous entretenir avec Johann Chapoutot de la naissance des fascismes, et plus précisément du nazisme, et de la nature, la vraie nature du nazisme. Mais auparavant, nous allons vous montrer que c'est un partenariat avec Retro News, qui est le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, un petit montage de presse assez original, un peu surprenant, vous verrez, et qui nous resitue la manière dont les Français voyaient Hitler en 1936. Donc nous allons pouvoir voir ce montage de Retro News, donc avec lesquels nous sommes heureux aussi d'avoir ce partenariat cette année. Je pense qu'on peut le lancer. Oui, on nous entend, Camille. Horizons. Disons que ce que l'on vient de voir à l'écran rappelle le débat que vous avez mené hier, Valérie, avec Jean-Michel Guilleux, Vincent Lagnol et Pierre Grosser, qui montrait bien que dans les années 30, on avait envie de croire ce genre de choses. Disons que ce genre de propos était crédible parce qu'on avait envie de le croire. Évidemment, personne n'avait envie de replonger dans une guerre telle qu'on l'avait connue 20 ans auparavant, enfin un peu moins de 20 ans auparavant, 15 ans auparavant, c'est-à-dire à peine hier ou avant-hier, et des propos aussi lénifiants, aussi rassurants proposés par Hitler étaient accueillis de manière très favorable. Et alors on se pose toujours la question de la non-résistance des démocraties, de leur inactivité face à l'Allemagne nazie, mais on a eu d'autres exemples ensuite d'inactivité face à des dictatures. Disons que dans les années 30, qu'est-ce que c'était qu'Hitler ? C'était un homme qui
à longueur d'interview, ne cessait de dire qu'il voulait la paix, qu'il était un ancien combattant, qu'il avait fait la guerre au front et qu'il ne voulait à aucun prix un nouveau massacre. Et c'était tout à fait crédible. C'était un homme qui était un dictateur à poigne, qui avait développé un régime répressif contre la gauche, contre les syndicats. Mais ça se trouvait un peu partout en Europe, à commencer par l'Italie, grand ami et allié de la France, et un peu partout en Europe centrale, les dictatures se développaient. L'Allemagne n'en était qu'une de plus, et après tout, le nazisme semblait correspondre à une forme d'atavisme ou d'idiosyncrasie germanique pluricentenaire. C'était les éternels casques à pointe, ils marchaient au pas, ils étaient rigoureux, ils étaient méchants. Donc après tout, une dictature chez eux ne n'étonnait pas plus que cela. Et par ailleurs, l'armée allemande, en 1936, quand Hitler dit « je veux la paix, je ne veux pas la guerre », il a de bonnes raisons de ne pas vouloir la guerre tout de suite, parce que l'outil militaire allemand n'est pas prêt. Il ne sera pas prêt non plus en 1938, voyant qu'au moment où il veut attaquer la Tchécoslovaquie, les généraux allemands prévoient un putsch quand même contre Hitler, et l'outil militaire allemand n'est même pas prêt non plus en 1940. La victoire allemande de 1940, est due à un concours de circonstances assez incroyable qui tient beaucoup moins à la supériorité des armes allemandes qu'à précisément un concours de circonstances. Merci. Alors, on pourrait peut-être redonner l'image 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît, car elle nous servira quand même d'introduction à une séance, une leçon sur le nazisme que nous voudrions, enfin, un peu surprenante, je pense. Peut-être pour beaucoup d'entre nous. En 1963 et 1965, les procès dits d'Auschwitz à Francfort, tenus grâce à l'opiniâtreté et au courage du procureur Fritz Bauer, montrent à l'Allemagne et au monde que des boulangers, des artisans, des petits fonctionnaires, parfaitement intégrés à la société, bons pères et charmants voisins, sont d'anciens gardes, comptables et assassins du système concentrationnaire et des centres de mise à mort nazis. Quelque temps plus tôt, en 1961, l'opinion mondiale avait découvert à la télévision la surprenante figure d'Adolf Eichmann. Là où on imaginait un nazi violent et arrogant, on découvrait un homme poli et posé, un peu maladroit, à mi-chemin entre le commissaire aux comptes et le professeur Tournesol. Et l'on se demandait comment un tel escogriffe, embarrassé de lui-même, avait pu être le logisticien en chef de ce que les nazis avaient appelé la solution finale. Alors, cette introduction, je l'ai empruntée à Johann Chapoutot, puisque c'est celle que vous aviez donnée il y a quelques mois, au mot près, à l'excellent article, je me permets de le dire, car après tout, je n'ai fait que le publier, l'excellent article que vous nous avez donné pour le numéro du 40e anniversaire de la revue L'Histoire au mois de mai dernier. Un article tout à fait frappant que nous avions intitulé « Tous bourreaux ?» J'emprunte ces mots d'introduction parce que ça me semble introduire aussi avec force la question qui nous taraude depuis 3/4 siècle et sur laquelle se sont fracassés tant de systèmes d'explications parfois un peu simplistes. Au fond, cette éternelle interrogation sur le phénomène nazi, naissance du nazisme, mais aussi phénomène nazi, une question sans fond peut-être, inépuisable, c'est l'événement majeur des années 1919-1939 en Europe, cette séquence de l'entre-deux-guerres, comme on dit, parce que nous connaissons la fin, cette séquence européenne de l'entre-deux-guerres, ce nazisme sans lequel, sans doute, la Deuxième Guerre mondiale n'eut probablement pas eu lieu, mais qui, au-delà de la nature d'un régime, d'une dictature, mais bien au-delà de la nature d'une dictature, touche peut-être à la nature, à la question de la nature humaine, et au fond pose une question de civilisation. Comment comprendre non seulement l'arrivée au pouvoir du parti nazi en 1933, mais aussi la nazification d'une Allemagne de 80 millions d'habitants, porteuse de, 2000 ans de civilisation européenne ?
De quoi est née cette idéologie criminelle? Quel rapport? Pourquoi en Allemagne, après tout? Pourquoi en Allemagne? Et pourquoi à ce moment-là? Quel rapport entretient-elle avec la guerre, notamment la Première Guerre mondiale? Quelle est la place de Hitler dans le système nazi? Comment expliquer que tant d'hommes et tant de femmes l'aient suivi dans ces entreprises? Alors ici, nous n'allons pas revenir sur la liste, sur la chronologie des crimes nazis que vous connaissez, en gros, vous en connaissez suffisamment, qui sont accessibles et que vous, dans beaucoup de livres, mais au fond, ceux qui, puisque nous avons la chance d'avoir ce soir avec nous, pour nous, Johann Chapoutot, pour un peu plus d'une heure, eh bien, nous allons l'interroger sur ce qui a peut-être rendu ce système possible, pensable et peut-être irrésistible, une sorte d'alternative civilisationnelle, une révolution culturelle. Alors il faut quand même que je dise deux mots pour vous présenter. Johann Chapoutot, vous êtes évidemment un des historiens les mieux armés pour nous guider dans cet enfer-là, professeur d'histoire contemporaine, bien sûr, à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur récemment, avec Christian Ingrao, il y a quelques semaines, d'un petit livre sur Hitler, que j'ai aimé présenter à Blois comme, au fond, Hitler raconté à ma fille, ou à mon fils, ou à tous mes enfants, c'est-à-dire un livre accessible à beaucoup de gens et qui raconte en des termes très simples des choses parfois très complexes. Vous aviez commencé par vous intéresser, c'était votre thèse, au nazisme, aux relations, donc déjà une histoire culturelle, du nazisme avec l'Antiquité, et c'est un livre qui avait été publié au PUF. Votre maître livre, pour l'instant, peut-être, c'est sans doute quand même La loi du sang, très beau livre, publié chez Gallimard en 2014, sous-titré « Penser et agir en Asie ». Et c'est pour cela que nous avons voulu mettre en valeur, pour inaugurer notre leçon, ce tableau de Adolphe Wiesel, qui s'appelle « Famille de paysans à Kahlenberg » et qui date de 1939 et qui n'est pas tout à fait l'image que nous avons du nazisme quand nous souhaitons convoquer cette affaire-là. Dernier livre, La révolution culturelle nazie, que je voulais citer aussi chez Gallimard, en 2017. Alors au fond, Johann Chapoutot, vous poursuivez depuis près de 20 ans, malgré une enquête au cœur de la pensée nazie, une enquête qui se nourrit du droit, de lectures de juristes, de philosophes allemands, tout ça pour rentrer dans la logique d'un système. Hein, vous appartenez à ce que l'on appelle la « cultural turn », le tournant culturel de l'histoire du nazisme, une histoire dans laquelle les élites jouent un grand rôle et que vous allez nous présenter ce soir. Alors je voudrais que tout simplement on reprenne un peu cette histoire par le début, c'est-à-dire au moins par la guerre. Le nazisme et la guerre, naissance des fascismes, c'était notre thème ce soir, naissance du nazisme. Qu'est-ce que le nazisme, Johann Chapoutot, doit à la guerre et notamment à la Première Guerre mondiale? Quel est son rapport à la guerre? On va remonter peut-être un petit peu en amont également, pour revenir sur votre présentation, Valérie Hanin, quand vous parlez de cultural turn et d'histoire culturelle, il s'agit d'une histoire qu'on pourrait qualifier de compréhensive, hein, comme il y a une sociologie compréhensive telle qu'elle a été élaborée par Max Weber, c'est-à-dire on essaie de comprendre les catégories par lesquelles les acteurs voient et pensent le monde, et on essaie de ressaisir l'expérience des acteurs. Quand un danger nous apparaît totalement fantasmé à nous, les nazis sont persuadés d'être assiégés par les juifs et d'être menacés biologiquement par un complot juif mondial. C'est totalement faux, mais c'est vécu intensément par les acteurs du nazisme même. Et c'est ça que nous, historiens, essayons de reprendre à notre compte et de comprendre pour essayer de voir quels sont ensuite les motifs, les fondements et les moteurs de l'action nazie et de crimes qui, à nos yeux, ne peuvent avoir ni sens ni justification. Or, aux yeux des nazis, ça a un sens et une justification, et c'est bien une chose avec laquelle, à laquelle nous, historiens, nous devons nous confronter si nous voulons tout simplement faire de l'histoire. Donc, une histoire culturelle
naturel, c'est-à-dire compréhensif, qui ressaisit les catégories des acteurs. Alors le tableau que nous avons montré tout à l'heure est assez intéressant. C'est le tableau qui a été choisi pour la traduction américaine de La loi du sang, hein, The Law of Blood. Tableau un petit peu curieux, hein, parce que quand on met en librairie un ouvrage sur le nazisme, on s'attend à des congrès de Nuremberg, à des défilés casqués et bottés, à des croix gammées et flamberges au vent. Là, il s'agissait d'un tableau tout à fait idyllique, bucolique, une famille absolument apaisée, tout à fait calme, qui joue et qui jouit de son être ensemble. C'est de fait en partie cela que les nazis voulaient promouvoir dans les années 30 et dans les années 40, dans leur utopie colonisatrice qu'ils prétendaient imposer à l'Europe et singulièrement à l'Europe de l'Est. C'est également le monde qu'ils prétendaient avoir perdu. Et c'est là que nous allons revenir un petit peu en amont, hein, de la Première Guerre mondiale, au XIXe siècle. Un XIXe siècle qui est absolument fondateur pour nous. Alors, il est fondateur de manière générale en histoire contemporaine. Les professeurs d'histoire parmi nous savent à quel point le XIXe siècle est le parent pauvre des programmes scolaires. On a l'impression parfois qu'il ne s'est rien passé entre 1789 et 1914. Ça va changer. Espérons-le, parce qu'on se rend compte aujourd'hui avec nos problèmes de rapport à l'environnement, de mondialisation malheureuse, de crise continue, de problèmes identitaires. On se rend compte à quel point les questions et les problèmes du XIXe siècle sont les nôtres. Et singulièrement, les questions et les problèmes de l'Allemagne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Je dis seconde moitié du XIXe parce que l'Allemagne, contrairement à ce que l'on croit, on a l'impression que l'Allemagne a de tout le temps été qualifiée ou caractérisée par une alliance de mines dans la Ruhr et de BMW ronflantes. L'Allemagne, pas du tout, n'a jamais été un pays industriel avant très tard, c'est-à-dire avant ce que les historiens allemands appellent la Gründerzeit, l'époque des fondateurs, après 1871. Et de fait, après 1871, on a connu en Allemagne un phénomène de rattrapage incroyable du point de vue démographique comme du point de vue industriel, qui a vu l'Allemagne, pays rural et agricole, comme on dirait dans les tontons flingueurs, devenir la première puissance industrielle quasiment du monde, hein, avec un taux de croissance démographique, par exemple, qui est de 70% en 44 ans. L'Allemagne comptait à peu près 40 millions d'habitants en 1871, dans les frontières du Nouveau Reich. Elle en compte 67 millions. On a un gain de 27 millions d'habitants en 45 ans, ce qui est absolument gigantesque, est un taux de croissance absolument fabuleux. Idem en économie, avec des transformations de paysages. La Ruhr, qui dans les années 1860 est encore un lieu de pique-nique tout à fait bucolique, devient le gigantesque égout industriel et manchestérien que nous connaissons, nous, par la suite. Donc il y a eu vraiment des mutations d'ordre convulsif en Allemagne, du point de vue économique, du point de vue démographique, mais également du point de vue géographique, territorial. Un exemple, au début du XXe siècle, 50% de la population allemande ne vit plus à l'endroit où elle est née. 50% de la population allemande ne vit plus à l'endroit où elle est née. C'est-à-dire qu'il y a un très fort taux de migration interne. Je ne parle même pas des migrations externes avec les migrations qui continuent vers le Nouveau Monde et vers les États-Unis. Si en France, on est à 5% de taux de mobilité au début du XXe siècle, c'est bien le diable. Hein, et c'est bien le maximum. Donc on a véritablement un pays qui est en mutation convulsive et qui s'interroge véritablement sur lui-même. On pourrait dire, si l'on voulait oser la formule, qu'il s'agit d'un pays dépaysé, un pays qui ne sait plus très bien où il en est et qui il est, avant même 1914. Un pays en très profond doute et en très profonde interrogation. Et ça, on le voit à des indicateurs scientifiques. Alors, je vous ai donné des indicateurs chiffrés, quantitatifs, mais il y a également des indicateurs qualitatifs très simples, comme par exemple la naissance d'une discipline qui s'appelle la sociologie. Alors, nous, Français, nous revendiquons les mânes de Auguste Comte, nous, évidemment, nous évoquons Durkheim, mais il faut quand même reconnaître que la discipline sociologique, au sens moderne où nous l'entendons, est née en Allemagne, en gros, dans les années 1880, avec des figures comme Ferdinand Tönnies, d'abord, et puis Werner Sombart, Georg Simmel, et puis Max Weber.
Et ça, c'est un indicateur très, très important. Il naît une discipline nouvelle, la sociologie, parce qu'il naît à l'époque, en Allemagne, en direct pour ces sociologues-là, un objet nouveau, un objet scientifique nouveau à connaître, qui s'appelle la société, figurez-vous. Et dans les années 1880, celui qui thématise l'opposition entre communauté traditionnelle, héritée, celle de la paroisse, de la famille, de la région, du village, et la société anonyme, la société individuelle. Bref, celui qui théorise le passage du holisme, c'est-à-dire ce système social où le tout donne sens à la partie, la communauté détermine l'individu, à l'individualisme, où c'est le contraire, c'est l'individu qui donne naissance et sens au tout, eh bien c'est un sociologue allemand qui s'appelle Ferdinand Tönnies. Et ça, ce sont des questions qui travaillent l'Allemagne très profondément à l'époque, non seulement chez les scientifiques que je viens d'évoquer, mais également tous azimuts, chez les stratèges politiques, policiers, militaires, et chez les scientifiques des autres disciplines. Il y a une immense peur démographique en Allemagne à cette époque, qui est tout à fait l'inverse de celle que les nazis vont nourrir d'ailleurs, qui est celle du trop-plein. L'Allemagne est un territoire trop exigu pour une population en croissance quasi exponentielle. D'où la naissance à cette époque d'un terme qui était un terme des sciences naturelles, de la biologie, un terme technique de la zoologie également, qui est celui de biotope. Et biotope en allemand, ça se dit der Lebensraum. Der Lebensraum, c'est la germanisation littérale du grec bios, Leben, topos, l'espace, Raum. Der Lebensraum, c'est le biotope. Autrement dit, s'acclimate avant même 1914 en Allemagne cette idée selon laquelle le biotope, qui est le territoire nécessaire, indispensable à la survie d'un individu ou d'un groupe biologique, que ce soit un troupeau de buffles ou un village souabe, ce biotope est une catégorie politique, géographique et géopolitique. Et ça, c'est quelque chose de très important qui influe sur, évidemment, les visées stratégiques des Allemands avant même 1914, mais au-delà des élites, sur la population elle-même. Parce que ces idées-là, l'idée d'une nécessité du biotope, hein, d'un Lebensraum qui ne soit plus seulement un concept descriptif, le Lebensraum du papillon par exemple, mais un concept prescriptif, c'est-à-dire quelque chose qu'il faudrait conquérir, qu'il faudrait acquérir, eh bien cette idée-là se diffuse tous azimuts par l'école, par l'université, mais aussi par la presse, par les éditoriaux, par les affiches et par les conférences multiples que, par exemple, les pan-germanistes multiplient avant 1914. Donc, je pense qu'il faut remonter bien en amont de 1914 pour voir comment se crée non pas une sorte de proto-nazisme, il n'est pas du tout question de cela, on ne va pas faire de la téléologie, mais se crée des conditions de possibilité de quelque chose qui, à un certain moment, vu les conditions de la guerre, paraîtra pensable, souhaitable et désirable. Alors, je précise quand même sur la téléologie, on est tenté de remonter toujours très loin lorsque on s'intéresse au nazisme. Alors, il y en a même qui remontent jusqu'à Hermann le Cherusque, hein, vous savez, Arminius qui, en 9 de notre ère, a détruit les trois légions que Auguste avait envoyées pour conquérir une partie de la Germanie et qui établissent une sorte de chemin particulier, direct, entre Hermann et Bismarck ou entre Luther et Hitler, à tout le moins. Il ne s'agit pas du tout de faire cela. Il s'agit tout simplement, lorsqu'on fait l'histoire, non pas de penser téléologiquement et en termes de nécessité, mais de voir ce qui travaille les contemporains et ce qui commence à s'acclimater, à se cristalliser et qui pourra ensuite être déclenché par un catalyseur qui s'appelle la Grande Guerre. Oui, alors merci beaucoup pour ce rappel. Alors n'empêche que la Grande Guerre, pour les Allemands, c'est 2 millions et 2,5 millions de morts si l'on compte les civils, hein, presque 2 millions de soldats, 2,5 millions si l'on compte les civils. C'est évidemment aussi la brutalisation que nous a bien expliqué Georges Mosset. C'est l'ère des masses, c'est, et puis c'est la défaite.
Est-ce que le nazisme peut s'expliquer sans la défaite allemande, sans cette accélération politique, sans cette révolution aussi qui se passe à 2 jours de l'armistice et qui, au fond, fait que le règlement de la guerre va se faire sur un fond de chaos oui. sociétal, mais aussi politique sans équivalent. Alors, je vais encore vous embêter, Valérie. Pas du tout, Johan. Je vais remonter encore un petit peu avant 1914. Vous avez dit un mot qui m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié de dire, qui est le mot masse. Je parlais de croissance démographique, de croissance exponentielle qui fait peur, etc. Ce qui fait peur aux élites allemandes avant 1914, elles ne sont pas les seules, hein, mais elles sont particulièrement inquiètes à cause de cette croissance démographique, c'est la masse. Voilà, l'entrée de la masse dans l'histoire, l'entrée de la masse en politique. Et il se trouve qu'avant 1914, bien des universitaires, des militaires, des hommes politiques, des journalistes, bref, des gens influents dans la confection et dans la configuration de l'opinion publique, commencent à se dire que pour fixer la masse, il y a un concept, il y a une réalité peut-être qui s'appelle la race. Et quelque chose de très commode. Et ça, ce n'est pas spécifique à l'Allemagne, parce que l'Occident colonisateur et racialiste, voire raciste, depuis au moins le début du XIXe siècle, hein, c'est le racisme qui justifie, qui est la matrice de légitimation de la colonisation. Mais disons qu'en Allemagne, la droite allemande, ce que l'on appelle les Völkisch, c'est-à-dire ceux qui conçoivent le folk, das Volk, non pas au sens, le peuple donc, non pas au sens français, rousseauiste, de l'assemblée des individus rassemblés par un contrat social, mais au sens d'entité biologique déterminée par le sang et par la nature, ces gens-là commencent à avoir d'autant plus d'écoute et de succès que, précisément, la croissance des masses ouvrières, prolétariennes, hein, les villes et les mégalopoles poussent comme des champignons en Allemagne avant 1914, et c'est absolument terrifiant pour les élites. Et pour fixer cela, soit vous avez les internationalistes qui parlent de classe pour fixer les masses, mais de manière transnationale, soit si l'on veut être un national, si on veut être un wilhelminien, si on veut être un prussien, si on veut être fidèle à son empereur, à son dieu et à son roi, eh bien, on choisit plutôt la race. D'ailleurs, c'est le cas de Guillaume II. Guillaume II est un raciste convaincu, parfaitement avoué et sans aucun scrupule. Guillaume II ne parle jamais de français, il parle de gaulois. Il ne parle jamais d'allemand, il parle de germain, idem pour les autrichiens. Et quand il veut parler de l'alliance entre les autrichiens et les allemands, il parle de la vieille alliance et la vieille fidélité des Nibelungen, hein, ce qui nous ramène à quelques siècles auparavant, et puis à Wagner. Donc tout cela est présent avant 1914. En 1914, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a un conflit qui se déclenche, mais c'est un conflit qui n'a rien à voir avec l'Allemagne, du point de vue des Allemands. C'est un conflit où l'Allemagne est agressée. Vous voyez, c'est bien la Russie qui déclare la guerre à l'Allemagne. Ça vient d'une obscure histoire balkanique qui est due aux caprices autrichiens, d'ailleurs encouragés par Guillaume II. Mais en tout cas, l'Allemagne est attaquée. C'est pour ça, d'ailleurs, que le SPD, on l'a vu hier, vote les crédits de guerre, puisqu'il s'agit d'une guerre de défense contre l'agression autocratique russe. Donc c'est une guerre légitime, une guerre du bon droit. Par ailleurs, cette guerre-là, c'est une guerre imperdable, mais absolument imperdable. Parce que l'armée prussienne est la meilleure armée du monde, et elle l'a prouvé à plusieurs reprises. L'armée prussienne a gagné 1813-1815 contre la France. L'armée prussienne a gagné 1864 contre le Danemark, 1866 contre l'Autriche qui n'était pas encore l'Autriche-Hongrie, qui allait le devenir, et 1870-1871 contre la France. Bref, l'Allemagne gagne tout. Voilà. Avec cette idée quasiment messianique et eschatologique que c'est l'esprit allemand qui va régénérer le monde. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. C'était une des formules qu'on entendait beaucoup en Allemagne en 1914. On peut traduire L'esprit allemand va régénérer le monde, hein, va soigner le monde, hein, par sa discipline, sa rigueur, sa culture. Par ailleurs, du point de vue des Allemands, c'est l'Allemagne qui a tout inventé en termes de musique, de mathématiques, de sciences, d'histoire, de tout. C'est vraiment la matrice de civilisation par excellence, idée que les nazis, bien entendu, vont reprendre. Et c'est d'autant plus une guerre imperdable
que l'armée allemande s'est renforcée de cette industrie puissante, cette industrie du charbon et de l'acier, cette industrie de la révolution industrielle qui a armé le puissant vaisseau du Reich, d'une flotte qui est capable, dit-on, même de battre et de surclasser la Royal Navy, et de canons Krupp qui ont déjà fait leur preuve 40 ans auparavant contre la France. Donc la guerre va être gagnée, c'est certain, c'est absolument certain. Et cette idée-là est encouragée par l'état-major. Les proclamations de victoire, dès qu'on reprend un fort à Douaumont, par exemple, eh bien, on a une proclamation de victoire définitive de l'armée allemande. Et on est bercé de cela pendant 4 ans, jusqu'au jour où, en novembre 1918, dans une atmosphère de déliquescence intérieure et de révolution, il y a des fêtes. Et c'est une défaite que de très larges secteurs de la population allemande ne vont pas pouvoir comprendre, ne vont pas pouvoir accepter. Et même que admettre, se passe-t-il ? Oui, c'est ça. Et même admettre, oui. Et d'ailleurs, ces Allemands qui ne comprennent pas la défaite, ils sont encouragés, hélas, par le nouveau pouvoir. On pense notamment à Friedrich Ebert, le nouveau chef du Conseil donc des commissaires du peuple. Le 9 novembre... Alors, disons qu'en décembre 1918, après donc un mois après son accession au pouvoir, il accueille des troupes à Berlin et il salue ces troupes, je cite, « invaincues sur le champ d'honneur ». Invaincu oui, le sur 9 le champ novembre, d'honneur. Rappelons oui, que le 9 novembre, la République est proclamée. Oui, oui voilà. Hein, deux jours avant l'armistice. Donc, ce n'est pas le pouvoir... ce n'est pas le pouvoir militaire non plus qui accepte la défaite. Le pouvoir militaire a tout fait justement pour confier aux civils le pouvoir avant une défaite qu'il savait inéluctable. Donc cette défaite a été mal comprise, mal admise et mal acceptée. Et alors, c'est peut-être un des enseignements de l'histoire sur le très long terme que lorsqu'il y a un traumatisme social majeur qui se produit, auquel on ne parvient pas à donner sens de manière rationnelle, c'est dans ces moments-là que se développe ce qu'on appelle aujourd'hui les théories du complot, tout simplement. Alors ça va des lépreux de la grande peste au XIVe siècle. La grande peste, c'est dû à quoi ? Eh bien, c'est dû aux lépreux qui ont empoisonné les puits. Voilà, c'est ce que l'on dit à l'époque, parce qu'on ne peut pas donner sens à cet événement traumatique autrement que comme cela. La Révolution française, grand traumatisme pour beaucoup, eh bien, c'est un complot maçonnico, illumino, je ne sais pas quoi. Et quant à la défaite inexplicable et inexpliquée de 1918, c'est évidemment l'œuvre de l'anti-Allemagne contre l'Allemagne. C'est l'œuvre des internationalistes contre les nationalistes. Les internationalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent détruire les nations. Ceux qui estiment que la guerre n'est qu'une guerre de classe et qu'elle n'est pas une guerre, elle n'est pas une guerre entre États. Qui sont-ils, ces gens-là ? Ce sont les sociodémocrates, ce sont également ceux que l'on commence à appeler les communistes, hein, l'aile gauche des sociodémocrates, ce sont les syndicalistes. Et derrière tout cela, il y a l'élément internationaliste par excellence, apatride, cosmopolite, qui est le juif. De ce point de vue-là, l'état-major allemand a une responsabilité absolument écrasante dans le déploiement, dans le développement de ce que l'on a appelé la légende du coup de poignard dans le dos, et qui n'était pour beaucoup pas une légende du tout, mais une vérité parfaitement acceptée. Pourquoi ? Parce qu'en 1916, des rumeurs insistantes en Allemagne couraient selon lesquelles les Juifs étaient déplanqués, ils n'étaient pas présents au front, etc. L'état-major allemand a diligenté une enquête. À ce qu'on appelle la Judenzählung. On a compté les Juifs. Et on s'est rendu compte que pas du tout. Ils étaient même peut-être légèrement surreprésentés au front. Ils n'étaient pas du tout les planqués que l'on croyait. L'état-major allemand aurait pu rendre public ces chiffres-là. Et ne l'a pas fait. Et ne l'a pas fait. Pour deux raisons. La première, c'est l'antisémitisme foncier d'un Hindenburg, d'un Ludendorff et de leurs acolytes. Et la deuxième raison, c'est peut-être l'idée de se garder un dossier sous la main ou dans le tiroir au cas où. Au cas où. Parce qu'en 1916, ces gens-là croyaient avoir déjà gagné la guerre. En tout cas, ils espéraient avoir gagné la guerre à cette date-là. Et ce n'était toujours pas le cas. Donc autant garder un dossier à ressortir le cas échéant. Et ce dossier ressort en 1918. La défaite, elle est due aux civils, elle est due aux internationalistes, aux apatrides, aux juifs. Oui, alors effectivement, ça rend possible peut-être un bouillonnement politique qui peut être favorable
à des idéologies extrémistes. Comment se passe la démobilisation, Johan ? La brune des historiens aujourd'hui, comme Bruno Cabanne ou comme John Horn, nous parle de la difficulté à sortir de la guerre, hein, nous intéresse à cette sortie de guerre qui parfois dure très longtemps, à cette démobilisation, y compris culturelle, qui est un phénomène très difficile. On ne sort pas d'une guerre parce que l'armistice a été signé, pas d'un seul coup. Et en Allemagne, comment ça se passe ? Est-ce que c'est particulièrement difficile ? Que deviennent tous ces soldats démobilisés et où vont-ils ? Alors, la démobilisation culturelle, ça, c'est un concept très important parce que cela montre que, comme vous l'avez dit, on ne sort pas d'un univers de guerre. On ne sort pas d'un monde de guerre que l'on a habité pendant 4 ans comme cela. Il est très difficile lorsque, pendant 4 ans, quand on a eu la chance de survivre à tout cela, lorsqu'on a été félicité, décoré, promu pour avoir été violent et pour avoir tué, il est très difficile de remettre l'arme au râtelier, voilà. Y compris psychiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus difficile dans des pays qui sont vaincus, ou qui ont l'impression de s'être fait voler la victoire, comme c'est le cas en Allemagne ou en Italie à cette époque, mais singulièrement en Allemagne. Quant à la démobilisation, c'est une des clauses de l'armistice, puis ensuite évidemment du traité de Versailles, qui est très difficile à mettre en œuvre, parce que vous avez des gens qui refusent de quitter le front, qui refusent de quitter ce que les historiens du militaire appellent le groupe primaire de combat. Ce groupe primaire que des gens comme Adolf Hitler ont beaucoup aimé, c'est-à-dire ce groupe de copains, ce groupe de camarades avec lesquels on a tenu, on a partagé la popote, on a combattu, on a survécu, on a vécu pendant quelques mois ou quelques années. Ces gens-là ont du mal à se débander. Ils ont du mal à ne plus faire bande, justement, et à ne plus être ensemble. Et c'est là que se forment les fameux corps francs. Les fameux corps francs, alors ça c'est une vieille tradition allemande, puisque, alors Freikorps, c'est du français translittéré, hein, quasiment, c'est Freikorps, c'est corps francs, c'est une vieille tradition allemande qui date des guerres napoléoniennes, c'est-à-dire qu'après 1806, vous avez des unités de l'armée prussienne qui avaient été laminées par la puissance de feu napoléonienne, des unités qui ont décidé de rester ensemble pour continuer le combat, et ces unités ont été remobilisées, et puis ensuite également, elles ont été renforcées par l'adjonction de volontaires, notamment de volontaires étudiants de l'université de Jena en 1813, pour combattre contre Napoléon et pour gagner la guerre contre les Français. Donc ça, c'est une vieille tradition qu'au fond, on ne fait que reprendre en 1918-1919. Et on continue cette tradition-là, ou on reprend cette tradition du corps franc, pour deux raisons. Premièrement, pour combattre aux frontières de l'Allemagne, parce Lettonie, que, en Lettonie oui, notamment. Oui. À l'Est, en Pologne, en Silésie, dans la Baltique, pour assurer la présence allemande et faire en sorte d'être en position de force au moment des négociations de paix, le cas échéant, mais aussi pour combattre à l'intérieur de l'Allemagne, contre les véritables ennemis de l'Allemagne, qui sont les gens de la gauche. Parce qu'il y a d'autres gens qui se débandent, hein, c'est la grande dissolution de l'armée allemande, elle se fait par la désertion, elle se fait par les corps francs, et elle se fait également par les conseils d'ouvriers et de soldats, qui prétendent s'auto-gérer eux-mêmes, les conseils, c'est-à-dire les soviets, hein, on reprend tout à fait le modèle russe, bolchevique, soviétique, ces soviets d'ouvriers et de soldats que les corps francs veulent combattre les armes à la main. Et dans une période de réduction des effectifs militaires en raison des exigences alliées, le gouvernement social-démocrate de Ebert va recourir à l'aide des corps francs. Ce chaos politique dans lequel se trouve l'Allemagne de 1918, enfin novembre 1918, au moment de la signature de l'armistice, dure jusqu'à quand ? La répression de la révolution spartakiste, justement avec l'aide massive et un peu sauvage de ces corps francs, enfin, si l'on croit, enfin, évidemment, les corps francs que nous raconte Ernst von Salomon dans dans les réprouvés. Qui fait partie de ces jeunes gens qui n'ont pas combattu et qui, comme les étudiants de 1813, viennent comme volontaires dans les corps francs. Donc ce chaos politique,
ça se stabilise quand ? Quand est-ce que la République de Weimar trouve un peu ses marques ? 1923, avec le rôle très important de Gustav Stresemann déjà à l'époque, non pas comme ministre des Affaires étrangères, mais comme chancelier, lorsqu'il purifie, il apure la situation monétaire après cette hyperinflation désastreuse. L'hyperinflation, il faut voir à quel point c'est quelque chose qui a là aussi traumatisé les Allemands à l'époque et qui a laissé de très graves séquelles mémorielles encore jusqu'à aujourd'hui. Le rapport des Allemands à la monnaie, au taux d'intérêt et à la stabilité monétaire, à l'inflation, n'est toujours pas réglé de ce point de vue-là. Il faut voir que 1923, c'est un vortex. C'est un vortex qui vient vidanger la société allemande. La monnaie ne vaut plus rien. La monnaie devient liquide en quelques mois. Et dans une société nouvelle, les sociologues allemands avaient beaucoup travaillé sur cette question de l'argent, dans une société nouvelle où les échanges se font par la médiation de l'argent, le fait que l'argent disparaisse, le fait que la valeur fiduciaire disparaisse, non seulement traumatise les gens, liquide des fortunes, permet des spéculations délirantes et scandaleuses dont le docteur Mabuse est un très bel exemple à l'écran en 1922, c'est la grande époque des spéculateurs. Plonge les Allemands dans une situation d'insécurité très profonde. C'est ce que Stresemann parvient, par la création du Rentenmark, puis d'un nouveau mark, à apurer. Par ailleurs, il y a un rapprochement avec Briand, un apaisement de la situation internationale. Et du point de vue intérieur, avec cet apaisement monétaire et financier, une fin de cette grande litanie de putsch, de tentatives de coup d'État, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, qui avait marqué la Saxe, la Thuringe, la Rhénanie, et puis la Bavière avec le putsch du 9 novembre 1923. Mais ce putsch nazi qui n'est qu'un des exemples de tentatives de renversement du pouvoir à l'époque. Donc 1923, alors on recoupe ce qui était dit hier dans le débat évidemment, 1923, on va entrer dans une autre phase, et 1923, pour quelques années, on va pouvoir peut-être croire à la paix, d'autant que du point de vue de Hitler et du NSDAP, le petit parti, ce qui est encore qu'un petit parti nazi, les choses vont très mal, puisque 1923, c'est le putsch raté de la brasserie par Hitler à Munich, le putsch tellement raté qu'il se retrouve en prison. Donc là, je pense que c'est l'occasion de faire connaissance avec ce héros de l'Allemagne moderne, Hitler, qui sait, en 1923, Johann Chapoutot, présentez-le-nous, d'où sort-il, qu'est-ce que c'est, justement, de quelle guerre sort-il, et quel rôle va-t-il jouer, ça va être quand même notre second thème, quel rôle, quelle place tient Hitler dans le système nazi ? Puisque au fond, c'est une insondable question. C'est celle-là, la place du grand homme, sans doute, vieille question dans l'histoire. Si l'on retire Hitler, que reste-t-il du nazisme ? Mais là, elle est particulièrement taraudante. Alors, prenons-le en 1923, si l'on veut. Il est en prison, enfin, il ne va pas tarder à l'être, à Landsberg, en Bavière, et il va écrire ou dicter Mein Kampf. Alors, qui c'est Hitler ? Votre question me rappelle ce dont on parlait tout à l'heure. On parlait d'Albert Camus. Et me revient une phrase d'Albert Camus qui... On a de belles discussions. qui dit, je ne sais plus où, qu'à 30 ans, soit on se trouve, soit on se suicide. Bon. Le problème, c'est qu'il s'est trouvé, Hitler, à 30 ans. Il s'est trouvé. Hélas. Il s'est trouvé. Il est né en 1889. En 1919, il a 30 ans. Et il vient de vivre 5 années importantes, voire merveilleuses de son point de vue, qui sont 5 années de guerre. C'était un homme isolé auparavant, avec une histoire familiale un petit peu compliquée, et puis ensuite une histoire sociale assez difficile. C'est quelqu'un qui s'est véritablement trouvé dans la guerre et par la guerre. C'est un homme qui a aimé la guerre et qui même a passionnément aimé la guerre. Alors ce n'est pas un chien de guerre comme on en connaît d'autres, Ernst Jünger en fait partie par exemple, ou Dirlewanger que Christian Ingrao a bien étudié, mais c'est un homme qui s'est senti chez lui. La guerre a été son monde. Pendant 4 ans, il a eu des camarades qui étaient un petit peu un public captif auquel il pouvait imposer ses sermons et ses monologues sans fin.
Il a eu une famille, il a eu un rôle, il a fait une belle guerre, il a survécu, ce qui est déjà la première manière de faire une belle guerre, c'est de survivre hein, pendant ces quatre années-là. Il a été décoré 2 fois, il a été félicité pour ce qu'il a fait, pour son rôle d'estafette, pour son rôle de messager. Et c'est un homme qui trouve dans la guerre la confirmation de quelques idées simples, mais très simples, qu'il a acquises, lui, en autodidacte avant 1914, l'idée selon laquelle il y a des races dans le monde, et que par ailleurs, ces races sont en combat permanent les unes contre les autres. Bref, une espèce de vulgate social-darwiniste qui traîne un peu partout et qu'Hitler avait ramassé dans la presse de Caniveau viennoise ou de Linz avant, ou de Munich avant 1914. Ça, il en a eu confirmation, une confirmation existentielle. C'est un homme qui aime la guerre et qui, comme beaucoup de gens qui vont graviter autour de lui, se rallier à lui en Bavière en 1919, voire plus tard, un petit peu partout dans toute l'Allemagne. C'est un homme qui, comme beaucoup d'autres, estime que le seul groupe humain qui vaille, le seul groupe humain qui fonctionne, c'est le groupe de combat. C'est l'unité de combat. D'ailleurs, le titre qu'il va adopter au cours des années 20, le titre de Führer, c'est un terme générique militaire qui veut dire soit adjudant, maréchal, capitaine. C'est le chef militaire. Et il conçoit désormais la communauté politique comme une communauté de combat, eine Kampfgemeinschaft, une communauté de combat qui est la seule qui vaille, puisque au fond, tout a été invalidé par l'histoire. C'est le grand jugement, c'est la grande ordalie de la Première Guerre mondiale. Les monarchies, les vieux empires ont été balayés. Et il est hors de question, malgré les tentatives des Hohenzollern de venir gratter à sa porte, de demander s'il ne serait pas possible quand même peut-être de rétablir la monarchie. Non, non, non. C'est un darwiniste social pur et dur. Les monarchies sont mortes parce qu'elles devaient mourir. Donc exit ces types de régimes-là. Quant aux démocraties, il va de soi que ce sont des régimes absurdes, disqualifiés par la science. Les démocraties à la française, qui se répandent un peu partout, sont fondées sur la liberté, qui n'existe pas, la science le montre, la biologie, le déterminisme biologique le montre, sont fondées sur l'égalité, qui n'existe pas. Regardez la différence des races. Regardez au sein même d'une race la différence entre un Führer qui est élu par la nature et puis le plombier du coin. Ça n'a rien à voir. Et sur la fraternité, qui est une absurdité sans nom, puisque cela postule qu'il y aurait une famille humaine au sein de laquelle nous serions frères et sœurs. Et ça, en bon raciste et darwiniste social, on ne peut évidemment pas l'accepter. Donc les démocraties non plus n'ont aucune voix au chapitre. Le seul groupe qui fonctionne, la seule communauté politique qui vaille, c'est le groupe primaire de combat. C'est pour cela qu'il veut créer un parti qui soit un parti de militants, mais de militants au sens étymologique du terme, du miles latin, hein, de la milice, du soldat. C'est un parti de militants soldats avec un chef à sa tête et avec une structure pyramidale verticale. Et ça, c'est quelque chose que, paradoxalement, il n'arrive à imposer que lentement, après Landsberg, après son expérience de 1923. Il a réussi un coup vraiment très, très audacieux en 1923, parce que dans les groupes d'extrême droite, et le parti nazi en était un, il y a là aussi une mentalité d'ordalie. Lorsqu'il y a échec, vous n'êtes pas apte à être chef et vous êtes balayé. Il a réussi. Un jugement de Dieu. Voilà, un jugement de l'histoire, de la nature ou de Dieu, selon les affinités que l'on peut avoir. Mais en tout cas, en prison, il a réussi à se refaire, comme on se refait au poker, tout simplement. Avec un petit groupe emprisonné avec lui, il a élaboré cette biographie manifeste politique, pas très originale, qui s'appelle Mein Kampf, qu'il a réinstallé comme personnage politique important en Bavière. Il a réussi à maintenir ses réseaux extérieurs, c'est-à-dire, en gros, les réseaux de la bourgeoisie et du capital bavarois qui, avant 1923, ont financé le parti nazi pour une raison simple, c'est que le parti national-socialiste des travailleurs allemands devait être une digue de diversion. La grande crainte des possédants, pour reprendre un vieux terme, la grande crainte des possédants était que la situation de l'Allemagne conduise les masses prolétariennes vers l'internationalisme communiste et socialiste. Pour rediriger ces masses-là vers le nationalisme, il fallait un attrape-mouche
qui était un parti national-socialiste. Alors l'adjonction des deux termes n'était pas nouvelle, elle existe depuis une bonne cinquantaine d'années en Europe à cette époque-là, mais Hitler a su en jouer très habilement avec un programme d'extrême droite très clair et quelques éléments d'un programme vaguement collectivisto-égalitariste, mais qu'il va très très vite oublier. Mais il a réussi à se créer un capital politique comme cela, et surtout à se créer un capital financier grâce au financement d'élites qui ont vu en cet homme-là l'homme désigné pour ramener les brebis égarées vers la bergerie nationaliste. Ajoutons à cela que, on le disait tout à l'heure, hélas, il s'est trouvé en 1919, à l'âge de 30 ans, et il s'est trouvé en tant qu'orateur. Voilà, en tant qu'orateur. Il a su qu'il savait parler, il savait captiver une foule, et ça, là aussi, c'est une capacité et un capital politique qu'il va faire fructifier. Surtout à partir de 1929, au moment où, en effet, la crise économique frappe l'Allemagne terriblement. Hein, une Allemagne dans laquelle il y a, on dit ordinairement, 6 millions de chômeurs, mais bien plus, vous dites dans votre livre, presque 20 millions oui. de sans-emploi ou d'emploi oui. partiel, de gens qui, au fond, n'ont plus vraiment de travail, de place dans la société. Hein, une société qui est en train de se déliter, où les choses vont très vite. Et à ce moment-là, le parti nazi, le NSDAP, va faire des progrès électoraux considérables entre 1929 et 1932. Au point que Hitler, on le sait, est appelé à être chancelier par Hindenburg le 30 janvier 1933. Quel est, alors revenons un peu, vous dites un talent d'orateur hors de pair. Jan Kershaw, qui est un des grands biographes de Hitler, la biographie chez Flammarion a été traduite il y a quelques années, insiste sur le charisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le charisme, et quelle est la place du charisme de Hitler dans l'ascension du parti nazi et dans sa solidification au pouvoir? Alors ça, c'est une question délicate, parce que lorsque l'on peut assister sur archive à des discours de cet individu, on a du mal à concevoir qu'il ait pu transporter, séduire, convaincre ou enthousiasmer. Il faut voir que Hitler sait faire une chose dans la vie, il ne sait pas travailler, il n'aime pas ça, il ne sait pas lire un dossier, il ne prend pas de notes, il est incapable de se concentrer au-delà de 3 minutes, ce qui rappelle quelques exemples contemporains aussi, paraît-il. Enfin bon, il est absolument incapable de tenir un travail régulier. Par contre, il sait monologuer. Alors soit dans le cercle privé, où il vous assomme pendant des heures de ses considérations sur la culture des petits pois, le dressage des bergers allemands ou l'architecture athénienne, soit devant en meeting, en situation de discours politique. Et ce qui nous agresse, nous, à la fois l'œil et l'oreille, l'uniforme, la posture, le côté tsakish, comme on dit en allemand, c'est-à-dire hectique, raide, haché, à la fois de la posture et de l'art oratoire, eh bien, c'est dû à l'époque. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Hitler se pose en chef militaire d'un parti milice qui va refaire de l'Allemagne un pays de combattants, lequel pays de combattants va se régénérer biologiquement et va réacquérir un biotope, va réacquérir un espace vital. Ça, c'est une première chose. Donc il joue à l'adjudant-chef. Et il y joue assez bien, comme tous les autres orateurs nazis. La deuxième chose, c'est que on pourrait le qualifier de médium, non pas au sens occultiste du terme, ça n'a absolument aucun intérêt, mais au sens de média. C'est un média, son corps. C'est-à-dire que par son déportement physique, par son attitude, c'est quelqu'un qui exprime la douleur, la rage, la colère, l'espoir, la prière, bref, cette espèce de peur eschatologique qui parle aux Allemands et qui leur parle singulièrement, non pas entre 23 et 28, où là, la situation de l'Allemagne est telle qu'on n'a pas besoin d'un tel discours et qu'un tel discours n'est pas audible, mais
à partir de l'automne 1929. Il faut quand même dire un mot de cette pauvre République de Weimar. Là aussi, risque de la téléologie en histoire, même si téléologie et théologie sont proches, mais risque du finalisme en histoire. On a tendance à considérer que cette pauvre République de Weimar est mort-née en 1919. Elle est née dans une situation très difficile, mais sans le choc exogène terrible, affreux de 1929, lors duquel les capitaux américains se retirent et font s'écrouler l'économie allemande, la République de Weimar aurait pu être viable. Et d'ailleurs, les nazis ne croyaient eux-mêmes, les premiers, pas du tout à une accession au pouvoir proche, à moyen terme, voire à long terme. Oui, Vincent Lagnol rappelait hier que le parti nazi, le NSDAP, fait 2,6% des voix en 1928. Bon, évidemment, après 29, là, ça va augmenter de façon ce qui fait d'ailleurs de rapide. Ce qui fait de l'histoire de la République de Weimar un des grands classiques de nos anciens manuels scolaires des années 70-80 en termes d'histoire sociale. C'est le social et l'économique, là, pour le coup, qui détermine la superstructure. Et qu'on redécouvre aujourd'hui, tout de même. Et qu'on redécouvre aujourd'hui, et à juste titre. Il se trouve que vous parliez de la progression des nazis. Le nombre de chômeurs en Allemagne, on l'estime entre les chômeurs à temps complet et à temps partiel, à 6 plus 8 millions à l'été 32. 14 millions de chômeurs. Temps partiel, ça veut dire que vous travaillez un tiers du temps, ou la moitié du temps, ou un quart du temps, et que votre paye en est réduite d'autant, voire d'autant plus. Ça, ce sont les statistiques officielles. On peut extrapoler jusqu'à 20 millions de chômeurs à cette époque-là, ce qui est absolument catastrophique. Avec un combien d'habitants en Allemagne pour un petit peu moins de 80 millions. De 80 millions. Toutes les familles allemandes sont touchées, touchées également par un phénomène qui est une recrudescence de la tuberculose, une maladie qui avait été jugulée par les progrès des services sanitaires et sociaux qui sont en déshérence, et donc retour en force de la tuberculose, et surtout de la famine. Et 1932 est une année de retour de la famine en Allemagne, et ça, c'est un cauchemar absolu pour les Allemands. Pour une raison simple, c'est que la famine rappelle de très vieux souvenirs de la guerre de 30 ans. Guerre de 30 ans, on ne sait pas ce que c'est, nous, en France, mais les Allemands, au XXe siècle, n'ont certainement pas oublié. Si, on le sait, parce qu'il y a un numéro de la revue L'Histoire qui vient de sortir. Pardon. Sur la guerre de 30 ans avant-hier. Avant-hier, donc ça va, je... la guerre de 30 ans, les années 1840, on parle souvent de la crise en Irlande, mais la famine a touché violemment également l'Allemagne, et surtout la famine à partir de 1916. Cette famine qui, estime-t-on, a tué 700 000 personnes en Allemagne à partir de 1916, ce qui est un chiffre terrible que l'on peut faire progresser jusqu'au million si on prend également les Allemands d'Autriche. Là, on a 1 million de morts en raison de la famine, de l'affaiblissement des organismes et des maladies qui ont pu se développer en raison de cet affaiblissement de la famine. Donc, lorsque la famine revient à l'été 1932, c'est un cauchemar pour des dizaines de millions d'Allemands qui se disent qu'ils sont maudits. Maudits. Ils n'y arriveront jamais. Quoi qu'ils fassent, ils perdent des guerres, ils ont des hyperinflations, ils sont mis au banc des nations, ils travaillent, mais il y a des crises économiques, ils essaient de reconstruire une économie, mais il y a la famine, ils n'y arriveront jamais. C'est un réel désespoir politique qui saisit la population allemande à cette époque. Et face à ce désespoir politique, vous avez une eschatologie puissante qui vient s'offrir à eux, qui est l'eschatologie communiste. Le soleil se lève à l'est, le bonheur prolétarien, et on y croit à cette époque, parce que l'URSS est un modèle, et l'URSS c'est la porte à côté, c'est quelque chose qui peut inspirer. Et vous avez un autre type d'eschatologie, qui est celle des nazis, qui non seulement offre une exégèse de tout ce qui s'est produit jusqu'ici, les nazis expliquent toute l'histoire depuis des millénaires, sur le fondement de la lutte des races, et ils expliquent également l'actualité immédiate depuis 1919 jusqu'à 1933. Ils ont réponse à tout. Mais ce ne sont pas que des exégètes, et ils le disent d'ailleurs, nous sommes des politiques, nous voulons agir. Ils ne se contentent pas d'expliquer et donc de fournir une rationalité, fût-elle délirante à nos yeux, aux Allemands. Ils offrent également des perspectives et des solutions. Et ça signe leur succès.
Oui, alors effectivement, sans quoi on ne peut pas comprendre. Donc Hitler, le rôle de Hitler, son charisme, sa force de persuasion sur un fond de malheur social que vous nous décrivez là et qu'on n'a pas forcément tout à fait en tête. Mais enfin, avec ce mot maudit, ça me rappelle évidemment le titre du magnifique film de Fritz Lang, M le maudit. Bon, mais oui, une Allemagne absolument, enfin une société allemande touchée au cœur. Dans ce contexte-là, Hitler, au fond, convainc, séduit tellement qu'il arrive au pouvoir avec une idéologie qui va persuader les Allemands, auxquels les Allemands et les Allemandes, après tout, vont adhérer. Alors, ce que vous nous décrivez, évidemment, magnifiquement dans vos livres, Johann Chapoutot, c'est cette révolution culturelle. Parce que adhérer à un programme politique qui semble pouvoir vous sauver au moment où tout va très mal, oui, mais là, ça va beaucoup plus loin que ça, cette révolution culturelle. Hein, vous avez, ce que vous nous décrivez, c'est vraiment un programme de civilisation alternatif, pourrait-on dire. C'était, quand on lit votre livre, que je ne saurais trop recommander, donc, mais sans doute beaucoup d'entre vous l'ont il déjà lu, La loi du sang, on est quand même très frappé. On ouvre ce livre sur le nazisme et La loi du sang, penser et agir en nazi, et puis le premier chapitre, enfin la première partie s'appelle Procréer. Alors, qu'est-ce que c'est quand même, là, on n'est pas dans un programme politique. Enfin, bon, il arrive que les programmes politiques poussent à refaire des enfants, mais enfin, là, on est bien au-delà de ce programme de fécondité. Qu'est-ce que ça veut dire procréer ? Quelle est cette injonction qui est donnée au peuple allemand ? Alors là, on entre en cours de biologie. Voilà, allons-y, darwinisme social. Programme de quatrième, je crois. Peut-être juste auparavant un mot sur l'arrivée au pouvoir des nazis. Les nazis ont fantasmé et thématisé leur arrivée au pouvoir en parlant de prise de pouvoir, dit Macht Ergreifung, comme s'ils l'avaient saisi de haute lutte, de manière vigoureuse, en fauve politique qu'ils étaient. Or, lorsque l'on lit ce que disent les nazis eux-mêmes à la fin de l'année 1932, c'est que c'est fini, ils n'y arriveront jamais. Ils ont tout raté. Ils ont tout raté parce que le régime de la République de Weimar s'est retourné comme un gant. Ce n'est plus un régime démocratique qui leur aurait permis d'arriver à la chancellerie, puisqu'ils sont le premier parti d'Allemagne dès l'été 1932. Mais c'est devenu un régime présidentiel depuis 1930. Et le président Hindenburg ne veut pas entendre parler d'un Hitler. Donc il faut toute une manœuvre interne de la droite bourgeoise allemande pour remettre en selle un Hitler qui, et un Goebbels aussi, qui confie à son journal à Noël 1932 qu'il est au fond de la dépression et qu'il songe à se suicider. Hein, ces gens-là sont persuadés qu'ils n'y arriveront jamais, que c'est fini. Il faut toute une intrigue de la Camarilla pour les remettre en selle, pour une raison simple, c'est que la force de frappe militante et idéologique des nazis et le nombre de nazis apparaît la seule à pouvoir faire face à une révolution bolchevique qui est redoutée évidemment par ces gens-là, von Papen en premier lieu. Mais alors, justement, ce que n'avait pas compris von Papen, donc ancien chancelier qui veut mettre Hitler en selle à la chancellerie, lui-même étant vice-chancelier pour le contrôler, pour le manipuler, von Papen dit d'Hitler ce que Adolphe Thiers avait dit de Louis-Napoléon Bonaparte. Hein, c'est un idiot que l'on mènera. Voilà. Alors, il l'a dit d'une autre manière. Il a dit, on va tellement l'acculer dans un coin de la pièce, cet Hitler, qu'il va couiner. Voilà. Et, sauf que alors, c'est moins Hitler qui a couiné que von Papen, pour le coup, puisque Hitler, mais on parle de lui comme il faudrait parler de milliers de cadres qui travaillent administrativement au sein du parti, intellectuellement dans les universités, qui investissent la police et l'armée pour penser le régime à venir. Ces gens-là ne sont pas des politiciens à l'ancienne. Voilà. Ils inaugurent un nouveau monde, comme on dirait peut-être aujourd'hui, un nouveau monde qui n'est pas celui des von Papen, celui des arrangements entre membres du Herrenklub, entre vieux aristocrates et vieux routiers de la politique. Il y a un projet civilisationnel.
un projet civilisationnel qui est, alors j'ai qualifié ça dans un livre que vous avez cité, de révolution culturelle, non pas pour comment dire, taquiner mes amis orientalistes et sinisants, et faire référence à Mao, pas du tout, mais tout simplement parce que ce terme-là me semblait désigner de la manière la plus adéquate possible la nature du projet nazi. Les nazis sont des contre-révolutionnaires. Ils le disent, ils le répètent, ils détestent la Révolution française. Ils vomissent Rousseau, ils haïssent Robespierre, ils adorent Charlotte Corday qui a assassiné le juif Marat, etc., etc. Vous trouvez ça à longueur de page dans les manuels scolaires, dans les publications scientifiques. Bon, la Révolution française étant, à leurs yeux, le soulèvement d'une lie gallo-romano-mélangée, dirigé par des juifs contre une élite aristocratique au sang bleu, c'est-à-dire au sang germanique. Hein, voilà. Donc, il y a une lecture biologique de tout événement historique, dont la Révolution française. Il la haïsse pour cela, et aussi parce qu'elle a diffusé ces idées dont je vous parlais tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, qui sont fausses et funestes. Bon. Goebbels, le 1er avril 1933, dit d'ailleurs à la radio, nous avons effacé 1789 de l'histoire. Et donc, ces gens-là sont tellement contre-révolutionnaires, qu'ils reprennent le terme de révolution au sens pré-révolutionnaire du terme. 1789 a inauguré la percée du temps, hein, l'ouverture vers un avenir indéfini, le mot révolution au sens où nous l'entendons. Les nazis le reprennent au sens d'avant 1789, au sens astronomico-céleste, si vous voulez, de retour au point d'origine. Ce que veulent les nazis, et on l'a vu tout à l'heure avec cette croûte assez naïve qui représente une famille idéale, c'est le retour à l'origine, le retour à la nature. C'est pour ça que j'avais intitulé un autre livre « La loi du sang ». La loi du sang, c'est la loi de la nature. Il s'agit de décaper l'homme que nous sommes, l'homme vieux que nous sommes, de toutes les sédimentations chrétienne, c'est-à-dire judéo-chrétienne, libérale, révolutionnaire, humaniste, égalitariste, communiste, etc., décaper l'être que nous sommes pour le faire revenir à son état de bête blonde originelle qui procrée, qui fait beaucoup d'enfants, qui se bat pour acquérir un territoire, pour le mettre en culture et pour nourrir ses enfants. Autrement dit, il s'agit de liquider, dans tous les sens du terme, un héritage pluriséculaire de 1500 ans, de judéo-christianisme, de libéralisme, de kantisme et d'humanitarisme, disent-ils également, pour revenir à un animal qui procrée, qui conquiert un territoire, qui le colonise, qui le met en culture et pour nourrir sa progéniture. Voilà. L'idéal nazi est assez simple, au fond. Il est assez familial et apaisé. Il s'agit d'ailleurs, disent-ils... Non mais je plaisante à peine, on a vu tout à l'heure ce que disait Hitler, hein. Nous on veut la paix, mais in fine c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est ce qu'ils veulent. La guerre pour eux, il faut la faire, Hitler a aimé ça, Göring a aimé ça, Himmler aurait bien voulu aimer ça mais il n'a pas pu la faire, etc. Ils veulent la faire, mais ils savent très bien, ces gens-là, en bons socio-darwinistes qu'ils sont, que la guerre est un moment contre-sélectif. Un moment contre-sélectif parce que ce sont les meilleurs qui se portent au combat. Ce sont les meilleurs qui meurent et cela affaiblit la race. Donc, le but ultime, c'est la paix des ménages comme on l'a vu tout à l'heure, la paix des cimetières pour les autres, mais un lieu, un temps, une stase historique et un lieu géographique où la germanité va pouvoir faire ce qu'elle doit faire par nature, c'est-à-dire des enfants, beaucoup d'enfants, purs et sains, et produire de la substance biologique pour nourrir ses enfants. N'empêche que pour arriver à cela, à ce règne, à cette parousie, à ce paradis qui est promis, enfin cette promesse nazie, il faut combattre. Et au fond, cette idéologie, alors c'est ça qui est quand même très surprenant et dans lequel il faut entrer, c'est que ce programme passe par un déchaînement de violence que, au fond, on admet, dans lequel on entre, mais pourquoi ? Parce qu'on obéit, parce qu'on est fasciné. Enfin, comment expliquer que tant de gens se soient transformés, alors en bourreaux, je ne sais pas, enfin, en tout cas, peut-être pas tous en bourreaux, en tout cas en soldats prêts au sacrifice, à la violence, à toutes les violences, au sacrifice des enfants
Comment alors, on entre dans cette alors, folie cette, criminelle oui. Cette violence que vous évoquez, elle se déchaîne d'abord et avant tout en Allemagne, oui. Et contre des Allemands syndicalistes, personnalités de gauche, témoins de Jéhovah, et en partie malades, juifs. Malades, oui, et puis, oui. Et puis également ces malades qui, à partir de la loi du 14 juillet 1933, hein, la date n'est pas choisie au hasard, sont voués à la stérilisation opération obligatoire. T4. Non, ça, ah non, ça c'est plus tard. Ça c'est la stérilisation oui. Dès 14 juillet 1933 et T4, c'est à partir, oui, donc l'assassinat, oui, c'est à partir d'octobre 1939. La violence, elle est théoriquement assumée parce que si l'on veut survivre dans un monde qui est, ça c'est du darwinisme social radicalisé, mais qui n'a rien de très original, sauf que les nazis le mettent en œuvre de manière brutale et rapide, si l'on veut survivre dans un monde qui est gouverné par les lois de la nature, il faut obéir aux lois de la nature. Et Hitler, a, et comme d'autres nazis, ont souvent des remarques du type « on peut être pacifiste, bien sûr, mais on peut aussi se suicider tout de suite, hein, tant qu'à faire ». Bon, si l'on veut être cohérent, il faut être violent, et être violent face à ceux qui veulent notre mort ou à ceux qui veulent nous faire dégénérer. Ça, c'est la justification théorique. Et ensuite, il y a comment dire, un vécu existentiel, qui est que pour un SA qui a revêtu son uniforme, qui a fait 3 ans de chômage, qui est peut-être un ancien combattant de la Grande Guerre. Le fait d'aller détruire la mâchoire d'un syndicaliste à Köpenick en juin 1933 n'est qu'une juste rétribution. Voilà. Cette violence-là, lui, le SA, il l'a subie, dit-il. Il l'a subi au champ d'honneur, ou il l'a subi dans des luttes de rue contre les communistes. Il ne fait que rendre la monnaie de leur pièce aux ennemis de l'Allemagne. C'est parfaitement justifié. D'ailleurs, les nazis sont tout à fait chafouin et sournois à invoquer le Talmud en disant que la loi du talion doit s'appliquer. La loi du talion doit s'appliquer œil pour œil, dent pour dent. Ce que nous avons subi en termes de violence sociale ou de violence physique, eh bien, nous le rendons et nous le rendons au centuple parce que désormais, il faut faire place nette de nos ennemis. Et tout ça, c'est intériorisé. Enfin, comment est-ce qu'une société entière est brutalisée, convertie à la violence? Ça touche tout le monde. Ça touche aussi les femmes, les jeunes gens. On convertit une société à une violence pareille. Alors, dès avant la guerre, c'est très difficile d'estimer, mais on estime à environ 1 million de personnes le nombre d'Allemands qui ont été directement acteurs de violence dès 1933 ou ensuite sur le front de l'Est ou dans d'autres fonctions. Environ 1 million de personnes. Il reste qu'au-delà de tout cela, il y a une tolérance sociale. Il y a une tolérance sociale au fait que, par exemple, vos voisins disparaissent un matin. Voilà, ils ne sont plus là. Et cette tolérance sociale, elle est due à, effectivement, l'œuvre de promotion du discours politique nazi, qui justifie cela, combattre les ennemis de l'Allemagne, les ennemis de l'intérieur, les traîtres, ceux qui nous ont poignardés dans le dos en 1918, ceux qui nous feraient à nouveau perdre la guerre. Donc tout cela est argumenté. Il y a également, en arrière-plan de ces discours-là, des idées que les nazis n'ont pas grand besoin de promouvoir à coup de mégaphone, hein, de manière très, très forte, des idées racistes, antisémites, bellicistes, social-darwinistes, que les nazis n'ont pas inventées et qu'ils n'ont pas eu à promouvoir de haut en bas, parce qu'elles existaient dans la société allemande comme elles existaient dans d'autres sociétés européennes ou occidentales. On a souvent un questionnement qui n'est pas juste et une perspective qui est fausse quand on s'imagine qu'il y a diffusion du haut vers le bas, voyez, à coup de matraquage, d'endoctrinement, de persuasion, de coups de marteau dans la tête. Non, les idées sont là, qui permettent l'acclimatation et le déploiement ensuite de certaines activités. J'avais autre chose à dire, mais je ne m'en souviens plus. L'intériorisation de la violence. Pardon, sur oui. Et il y a un troisième élément qui est très important, c'est que, outre, à minima, le consentement à la violence, voire outre l'adhésion à la violence au maximum, du point de vue psychologique, idéologique, culturel, vous avez des rétributions sonnantes et trébuchantes quand même de cette violence.
Parce que lorsque. C'est comme ça d'ailleurs que les nazis ont pu convaincre un Himmler, par exemple, a pu créer son service de sécurité de la SS à partir de 1929, en allant voir des jeunes diplômés de l'université, des jeunes docteurs notamment, et leur disant « Tu as fait de très belles études, maintenant la perspective riante et réjouissante qui s'offre à toi, c'est d'être chômeur. Bon, comme tu as fait des études, comme tu es allé à la fac, tu n'es pas de gauche, parce que 1% d'une. Un petit peu plus, puisque la République de Weimar avait ouvert les portes de l'université. Mais disons que pour aller à l'université, il fallait venir d'un milieu qui était généralement assez peu échevelé et assez peu d'extrême gauche, si vous voulez. Donc, comme tu partages certaines de nos idées, viens chez nous. Parce que nous, ce que l'on t'offre, ce n'est pas le chômage. C'est d'abord un poste et un salaire dans notre structure partisane, dans les milices de notre parti. Ce qu'on t'offre à terme, c'est les clés de l'Allemagne et ensuite, c'est les clés de l'Europe. Hein, c'est le fameux chant nazi « Und morgen die ganze Welt » et demain le monde entier. Et ça, c'est ce qui s'est produit. Vous avez des jeunes gens qui ne sont rien en 1929, qui sont condamnés au chômage, qui se retrouvent généraux de la SS et numéro 3 de la Gestapo entre 1933 et 1935, qui ensuite se retrouvent au commandant de la police et de la SS au Danemark, je pense à Werner Best ici, et vous avez des militaires qui ne sont pas des nazis, qui sont des nationaux conservateurs, racistes comme il faut, mais sans plus, et qui trouvent que les nazis ne sont pas forcément les meilleurs promoteurs de l'Allemagne de demain, eh bien ces gens-là, qui sont capitaines en 1933, sont maréchaux en 1941. C'est le cas de Erwin Rommel. Vous imaginez la progression de carrière, en 8 ans, de capitaine à maréchal. Voilà. Eh bien ça, c'est des carrières, alors on peut dire que ce sont des carrières exceptionnelles, mais non. C'est un exceptionnel normal parce que vous avez plein de gens qui sont clercs de notaire dans un village de Souabe et qui se retrouvent à la tête d'un district en Biélorussie commandant une population de 30 000 personnes grâce à l'extension de l'Empire. Grâce à la colonisation à l'Est et à cet impérialisme nazi qui offre des prébendes, des postes, des carrières fantastiques. Y compris aux femmes, hein, il y a une participation, elle est moins active, elle est un peu différente, mais il y a quand même une participation significative de certaines femmes qui y ont trouvé aussi une occasion de faire carrière, ce que nous montrent aussi les travaux de certains historiens et historiennes. C'était absolument... Alors elles sont mobilisées à l'Est dans des fonctions de care, comment dire aujourd'hui, c'est des fonctions de soins pour l'accueil des colons, pour le soin des enfants, etc. On en emploie également dans les camps de concentration, mais il y a eu également un effet de promotion sociale des femmes dans le Altreich, hein, dans le Reich proprement dit, mais ça c'est un effet pervers et non voulu de la politique nazie, et ça les nazis ne le voulaient pas du tout. Le tableau que l'on a vu tout à l'heure était parfaitement classique et assignait à la femme son rôle biologique naturel selon eux, qui était un rôle matriciel et nourricier. Il se trouve qu'en envoyant 18 millions d'hommes sous les drapeaux, eh bien, cela a contribué à faire en sorte que les femmes aient des places dans l'industrie, dans la fonction publique, dans les tramways, alors qu'elles avaient été chassées de la fonction publique entre 1933 et 1937, par exemple. On a dû les réintégrer. Alors, on a bien là la construction d'une véritable, enfin d'un système, système alternatif auquel il n'y a pas d'improvisation dans tout ça. Il y a quand même une participation, enfin ça s'est fait très vite, mais une contribution très active, y compris intellectuelle, des élites qui ont travaillé à édifier une civilisation nazie, enfin, en quelques années. Un monde nazi, oui. Ils ont pu le faire d'autant plus facilement que, encore une fois, lorsqu'on... Les juristes, les biologistes, les historiens, mais aussi les policiers, les hauts fonctionnaires, tous ces gens qui vont travailler pour la SS et puis ensuite pour l'office, pour le commissariat du Reich, pour le renforcement de la germanité, qui est créé en 1939 et qui est dirigé par Himmler pour coloniser l'Est. Ces gens-là ont pu travailler, et d'autant plus facilement que les idées qu'ils manipulaient étaient encore une fois des idées qui n'avaient rien d'original. Elles étaient là, il suffisait de se baisser pour les ramasser. L'idée d'une structuration du monde en races, l'idée d'une égalité des races, l'idée de la nocivité des juifs, l'idée d'un combat pour la vie, l'idée du biotope et de la conquête nécessaire d'un biotope pour la survie, tout cela était là.
dès avant 1914 et a pu ensuite être mis en musique, mis en cohérence, radicalisé et surtout, appliqué de manière très rapide à partir de 1933. Et c'est là que je voudrais peut-être faire un petit point. J'ai été beaucoup critiqué l'année dernière parce que j'avais dit que les idées nazies faisaient partie d'un corpus occidental. Bah, c'est vrai, oui. Les nazis n'ont pas inventé le capitalisme, le racisme, l'antisémitisme, l'impérialisme, le social-darwinisme, etc., etc. Donc on m'est tombé dessus, on me disait « Oh, vous relativisez, vous nous faites honte, l'Occident c'est quand même autre chose ». Certes, bien sûr. Mais sauf que ces idées étaient là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les nazis ont puisé dans ce fond commun et ont mis en pratique, ont mis en exercice très rapidement. Et c'est là que réside la spécificité nazie. Si on prend l'exemple de la stérilisation forcée des malades considérés comme héréditaires, c'est une pratique qui existe aux États-Unis des années 1910 aux années 1970, hein, donc bien après la Seconde Guerre mondiale. Dans plusieurs États américains, on stérilise, de manière forcée, hein, environ 30 000 personnes. Bon. Ce sont des idées et des pratiques qui n'appartiennent pas aux nazis. Sauf que, dans l'Allemagne nazie, c'est 400 000 stérilisations en 12 ans, et non pas 300 000 en un peu plus de 60 ans. C'est là que la distinction intervient. Et c'est cette distinction-là que l'historien du nazisme, évidemment, ne méconnaît pas. Accordons-lui tout de même ce crédit-là. Pourquoi font-ils aussi vite, aussi brutalement et sur une telle échelle? C'est parce qu'ils pensent en termes de temps, en termes d'histoire, et ils estiment que l'Allemagne a perdu trop de temps, depuis la guerre de 30 ans au moins, si ce n'est depuis les guerres médiques ou depuis les guerres puniques. La race germanique a perdu trop de temps, et si elle veut se sauver, si elle veut ne pas disparaître biologiquement, eh bien elle doit agir de manière radicale. Je parlais de progression démographique spectaculaire tout à l'heure, avant 1914. Le grand problème de l'Allemagne, et les nazis vont faire florès là-dessus, que la sortie de transition démographique intervient pendant la Grande Guerre. Donc pendant la Grande Guerre, vous avez un surcroît de 2 500 000 morts, 1,8 au front, plus 700 000 civils, et une sortie de transition démographique. Donc là, la peur démographique s'inverse totalement, et les nazis sont tout à fait fondés à dire « Regardez, nous allons disparaître biologiquement. Nous sommes en train de mourir. L'Allemagne va disparaître. » Et elle va disparaître d'autant plus que les morts de la famine due au blocus montrent bien que nos ennemis extérieurs ne voulaient pas notre destruction politique ou militaire, ne voulaient pas une victoire stratégique, ils voulaient notre disparition biologique. Et c'est donc en biologiste que nous devons agir. C'est pour ça qu'Hitler, à plusieurs reprises, dit dans ses discours notre politique, le national-socialisme, c'est de la biologie appliquée. Bien. Alors, écoutez, merci beaucoup, Johann. Merci beaucoup. Comme il nous reste... Alors, il nous reste 10 minutes, c'est-à-dire quand même le temps de répondre à quelques questions, parce que le sujet est immense, bien entendu, mais vous avez quand même peut-être quelques ajouts à faire, quelques questions supplémentaires. Je vous propose peut-être de les grouper, s'il vous plaît, de vraiment poser des questions pour qu'on puisse profiter des réponses de Johann Chapoutot. Je ne vois merci. Pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour cet exposé. Bravo. Une question directe. Donc, le rôle des industriels, s'il vous plaît. On a lu l'ordre du jour. Non, on veut savoir quel était le rôle des capitaux industriels. On groupe les questions aussi. Oui, alors. Question. Groupée parce que du coup ma question elle porte aussi sur l'argent. Vous avez dit qu'en 29 le parti qui n'était pas encore au pouvoir était capable de fournir des emplois à des jeunes diplômés. Avec quel argent? Voilà. Comment se finançait le parti à cette époque-là? On a choisi.
je vais reprendre les trois premières questions. Alors, monsieur n'avait pas de micro, donc monsieur posait la question sur le fascisme italien, en l'occurrence. Il se trouve que c'est un modèle pour Hitler et que dans son bureau à Munich, il a un portrait du Duce. Et ça fait partie également de cette angoisse du temps qui passe et qui a trop passé, puisque les fascistes sont arrivés au pouvoir 11 ans avant les nazis. C'est pour ça qu'il faut agir vite et brutalement. Donc, il y a une relation entre fascistes et nazis qui n'est pas celle que l'on croit hein, au départ, puisqu'Hitler est très impressionné jusque très longtemps par le Duce. Ensuite, sur les deux questions portant donc sur l'ordre du jour, l'excellent livre d'Éric Villard et puis sur le financement du parti nazi. Le parti nazi est financé par ce qu'on peut appeler la bourgeoisie bavaroise de 1919 à 1923, et puis ensuite par des industriels à partir de 1929 pour une raison simple, c'est que les nazis se joignent à ce qu'on appelle le front de Bad Harzburg à l'été 1929 dans le cadre d'un référendum, d'un plébiscite contre les réparations. Autrement dit, les partis de droite classiques, traditionnels, se rendent compte que l'on peut discuter avec les nazis, que l'on peut faire alliance, et par ailleurs que leur force de frappe militante est une adjonction importante à une coalition des droites, de toutes les droites possibles, et c'est là que les financements commencent à affluer à partir de 1929-1930, ce qui permet l'équipement des SA, l'équipement des SS, l'entretien également des foyers hein, où vivent des SA. Alors il y a évidemment aussi les cotisations des membres du parti nazi, mais il y a cette adjonction très importante hein, d'un financement industriel pour une raison simple, c'est que la coalition des droites peut faire obstacle à la grande terreur qui est une révolution communiste. Hein. Souvenons-nous, enfin on s'en souvient pas, mais disons-le, fin août 1932, au moment où le nouveau Reichstag est instauré, c'est Clara Zetkin qui, donc députée communiste, qui ouvre la séance en tant que doyenne d'âge, et elle dit voilà, je suis une vieille femme et j'espère vivre assez longtemps, c'est-à-dire très prochainement, pour pouvoir inaugurer le premier parlement de l'Allemagne soviétique. Hein ? Ça se dit au Reichstag, ça, fin août 1932. Donc voilà. Oui, l'accession au pouvoir de Hitler, juillet 32, le parti nazi réalise 37% des voix, c'est son point culminant. Deuxième élection législative en novembre, le parti nazi diminue assez sensiblement à 33% des voix. Il existe trois gros partis encore, le Zentrum conservateur catholique, le Parti communiste et surtout les sociaux-démocrates. Donc ils représentent encore un poids énorme. Donc d'où la question. Pourquoi le président Hindenburg a-t-il commis cette infamie devant l'histoire de donner, il lui a donné sur un plateau, vous l'avez dit, de donner sur un plateau et de nommer Hitler chancelier? C'est une question compliquée. Alors, effectivement, il y a d'autres partis qui subsistent, hein, qui sont aux alentours de 15%, Zentrum, SPD, mais qui ne peuvent pas faire alliance. Pour une raison simple, c'est que le Zentrum, qui était un parti de la coalition de Weimar en 1919, est passé résolument à droite à la fin des années 20 sous la direction de Mgr Kass. Donc le Zentrum, qui était un parti de centre-gauche catholique, est devenu un parti de droite catholique. Il est hors de question de faire alliance avec le SPD. Quant au SPD, depuis 1932, même peut-être depuis avant, face au danger nazi, il a décidé de soutenir Hindenburg quoi qu'il en soit. Voilà. Par ailleurs, les nazis avaient l'ambition d'accéder au pouvoir par les urnes, hein, par un système de régime parlementaire, mais ce régime parlementaire n'existe plus depuis 1930, puisqu'il y a un gouvernement présidentiel par ordonnance de l'article 48 depuis mars 1930. Donc c'est au niveau du cabinet présidentiel que ça se décide. Alors, dans un premier temps, pendant longtemps, hein, Hindenburg ne veut absolument pas entendre parler d'une solution Hitler, pour plusieurs raisons. C'est un Prussien, l'autre est un Autrichien. C'est un protestant, l'autre est de culture catholique. C'est un maréchal, l'autre est caporal. Bref,
vraiment, il y a une répulsion physique pour le personnage. Mais ensuite, il y a l'intérêt politique. Et l'intérêt politique, c'est que Hindenburg nomme, sur le conseil de ses conseillers, le général von Schleicher, qui est quelqu'un de très bien, un général à monocle, un homme de la droite dure traditionnelle, à la chancellerie en novembre 1932. Or, Kurt von Schleicher estime que la crise est tellement grave qu'il faut faire une réforme agraire, c'est-à-dire lotir les vastes propriétés agricoles de l'Est de l'Allemagne. Qui sont les grands propriétaires terriens? Qui sont les grands Junkers? Hindenburg et son entourage. Donc Schleicher saute sur le conseil de von Papen, qui dit « Bon, maintenant, il faut lever l'hypothèque nazie. On va mettre Hitler à la chancellerie. Moi, qui suis un homme politique expérimenté, je vous assure que je vais en faire mon affaire. Et d'ici quelques mois, ce sera réglé. On aura mis fin à la démocratie sans coup d'État, sans effusion de sang, sans coup d'État militaire, ni sans révolution bolchevique. Ça va se faire très, très tranquillement. » Voilà la solution à laquelle le président von Hindenburg accède sur les conseils de von Papen et de son fils Oscar von Hindenburg. Oui, ici. Une dernière question. Oui. Monsieur. On pourrait considérer que les nazis, donc on pourrait considérer, les nazis ont été battus, quoi. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ils réapparaissent toujours de plus en plus, hein, comme les champignons? Quelles sont, d'après vous, les conditions qui favorisent cela? Bon, alors, que les nazis réapparaissent, ça, j'en sais rien. Des néo-nazis, oui, certainement. Pour comprendre les nazis dans leur, comment dire, dans leur univers, il faut comprendre l'univers de l'après-guerre. Hein, de l'après-première guerre mondiale, où la violence physique, la violence politique est légitimée par l'expérience anthropologique de la guerre qui précède. Donc les néo-nazis actuels peuvent avoir des slogans, peuvent avoir des idées, mais n'ont pas forcément peut-être cette expérience existentielle-là de la violence et de la violence, on le souhaite. De la violence légitime. Disons que ce qui peut faire leur succès à eux, aux néo-nazis, comme ce qui a pu faire le succès des nazis à l'époque, et c'est quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est que les nazis offrent des réponses. On parlait des grandes mutations convulsives de l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Le fait que les communautés traditionnelles se dissolvent, que l'âge des terroirs prend fin, que l'on se prolétarise, on s'urbanise, on s'individualise, on se demande qui on est en tant qu'individu et en tant que groupe. Les nazis ont des réponses parfaitement clair et parfaitement simple à tout cela. Tu n'es pas membre d'une classe, d'une religion, etc. Tout cela est faux. Tu es membre d'une race. Tu es nécessairement, biologiquement, membre d'un groupe qui te dépasse, qui te transcende et qui te donne sens et existence. Et ça, c'est un message très fort d'un point de vue identitaire, d'autant plus lorsqu'il se double de deux choses. Premièrement, une exégèse des malheurs. Je vais t'expliquer pourquoi tu es si malheureux. Et deuxièmement, une perspective, une promesse d'ordre eschatologique. Ton sang, ta race étant les meilleurs, t'ouvre le bonheur sur Terre. Et ça, ça a été un message extrêmement puissant à l'époque. Bien. Je crois qu'il faut tout de même arrêter. Vous remercier tous de votre attention. Remercier vraiment beaucoup Johann Chapoutot qui nous a fait une belle leçon. Et vous donnez rendez-vous pour la suite. Alors le film ce soir, The Favorite, et demain matin, le débat avec l'Association des professeurs d'histoire et géographie sur les ébranlements de l'espace colonial dans les années 1939. Bonne soirée.